Au sein de ALDE, on a lancé le projet CRM en 2005 pour nos filiales dans 39 pays, 3000 utilisateurs à peu près. Aujourd'hui, donc, on a déployé que 900 utilisateurs. Moi, je suis responsable du projet CRM au sein de l'entité internationale. Donc, je suis responsable du déploiement de Salesforce, de la configuration ainsi que la conduite au changement. On n'avait pas encore d'outils. Donc, en fait, comme nous, on est présent dans plusieurs pays, il n'y avait pas d'outils dans les pays et encore il n'y avait aucun outil qui permettait aux gens de l'international de piloter l'activité dans tous les pays. En fait, si vous voulez, en deux mots, c'était rapide, efficace. Donc ça a donné un retour très rapidement qui nous a permis au fur et à mesure, donc nous ça fait 4 ans qu'on a commencé le projet, au fur et à mesure d'améliorer, de présenter plus de fonctionnalités et ça nous a évité l'effet de tunnel, donc tunnel où les utilisateurs attendaient pendant des années avant de voir quelque chose. Bah, en fait, ils étaient très contents. Donc, il y a le directeur commercial de l'international qui m'a dit un jour, grâce à Salesforce, on sait ce qu'on fait. Le directeur IT de ALDE France qui nous a dit, bon, un projet IT, ça dépasse toujours le budget. Et à la fin, il était surpris de voir que ça n'a pas dépassé. Donc, en fait, les utilisateurs étaient assez contents. Effectivement, aujourd'hui, on est en train de travailler beaucoup sur la partie relations clients. Customer service, déploiement de la partie case management de l'outil, ainsi que le couplage avec téléphonie, CTI. Donc il y a beaucoup d'évolutions. C'est très très intéressant, ça promet. Et donc en fait, ça va nous éviter de passer beaucoup de temps à se poser des questions techniques, mais pour vraiment faire des choses intelligentes au niveau business. Vraiment le métier qui est le plus central. Exactement.